grand-père, voulez-vous nous lire une histoire? Allez, bien sûr, avec plaisir. Je vais choisir le premier conte. Au Sahel, les invasions acridiennes, les cycles de sécheresse et la famine endémique sont le lot quotidien. L'homme, grâce à ses dons innés, faisait face aux famines les plus terribles. Les animaux domestiques, ses auxiliaires, s'en tiraient sans grand dommage grâce aux soins qu'il leur prodiguait. Les animaux sauvages n'avaient aucune main secourable pour abréger nos souffrances. Bouki, vous connaissez Bouki? Boukilien avait parcouru la brousse sans succès. Depuis 3 jours, elle n'avait trouvé qu'un margouillat à se mettre sous la dent. Elle gagna l'ombre rafraîchissante d'un grand fromager, Safala, prête à attendre stoïquement l'ange de la mort. Il avait faim. Il lui sembla entendre dans la frondaison le son insolite d'un tamas. Dong 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 tu dong 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 tu dong 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 tu dong. C'est peut-être le tamas de Allah. Par ses têtes. Une voix se fit entendre. Bouki, écoute-moi. Je suis le génie de la brousse. Bouki leva les yeux vers le feuillage. Ses yeux rencontrèrent ceux du génie. Il était effrayant. Bouki tenta de fuir, mais aucun de ses muscles ne lui obéit. N'aie pas peur, je suis venu te sauver. Qui parle comme ça? Le génie. Le génie. Pour me sauver, il faut autre chose qu'un vulgaire tamas. Apporte-moi une gazelle et je pourrai te considérer comme mon sauveur. Ouvre grandes tes oreilles. Écoute-moi bien. Mes oreilles bourdonnent. Je vais essayer. Chante avec moi. Il faut vraiment le moment de chanter. Patience, patience, patience. Talmindel mindelo, talmindel mindel. Yalla mamay sama tamay talmindel mindel. Koma ci bak gaaw de talmindel mindel. Bok na ci kewel bi la way talmindel mindel. Cabral. Étonné, veux-tu voir une gazelle sortir de ses où? Secoule les mains. Elle se frotta les yeux. Hein? 10 fois. Non, elle ne rêvait pas. Elle se jeta sur la proie inerte. Elle la dévora en moins d'une heure. Le génie lui remit le précieux tamas, non sans la mettre en garde contre gaspillage et incurie. Depuis ce jour, la savane et la forêt connurent les pires catastrophes jamais vécues. Armé de son tamas, Bouki tuait maintenant, pas pour manger, pour le plaisir. Tous y passaient gazelles, corbes, autruches, éléphants,
panthères, lions, même les lions, ils les tuaient pour les manger. Bientôt, les animaux allèrent trouver le chef du génie, Malkayafi, et se plaignir, dire vraiment, vous qui êtes en train de dévaster la forêt. Ah, Malkayafi convoqua le génie et lui dit de réparer ce qu'il vient de faire. Le génie promit d'obéir. Quelque temps après, Bouki, armé toujours de son tamas, se promenait pour trouver de quoi se mettre sous la dent. Il regarda un lion, fit face au lion et commença à talmider. Alors, au moment de dire Chabral, 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 pour tuer, il avait oublié Chabral. C'est le génie qui avait tout fait pour qu'il oublie Chabral. Le lion l'a attaqué, il est allé se cacher quelque part. Maintenant, il ne savait plus prononcer le mot Chabral. Il revient vers le génie, hein, pleurnichant, ça ne va plus, il ne peut plus tuer. Le génie lui dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il prit le tabac. Il dit, Bouki, regarde la pintade là-bas en haut de l'arbre. Bouki, regarde la pintade. Le génie prend son tabac. Chabral. La pintade tombe, mais il y a une branche qui la prend. La pointade ne tombe pas par terre. Le génie dit à Bouki, non, monte prendre la pintade. Quand Bouki est monté prendre la pintade, le génie a remis le tamas à son ennemi. Le armé de du tamas a commencé. Talmindel, mindelo, talmindel, mindel. Baknaki, Bouki, nyuro, talmindel, mindel. Il s'arrête. Bouki dit, ne dis pas Chabral. Ah, Bouki lui a dit Chabral. Et il tombe foudroyé. Depuis ce jour, les Bouki n'aiment pas entendre le son des tam-tam.